Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Diamond Painting. Aujourd'hui je continue mon chat, voilà. Bon, je me suis pas encore remise sur le grand DP. Je pense que je vais d'abord terminer mon chat. Donc là j'en suis arrivée à aux trois quarts, voilà, ça y est, il me reste plus qu'une partie, une colonne à faire. Donc il me reste deux fois à faire dessus. Et là le chat, vous verrez, aujourd'hui il est terminé, donc il me reste du paysage à faire après. Il est toujours aussi sympa à faire, j'aime toujours autant les couleurs, il est toujours aussi il va toujours aussi bien à faire, je veux dire à coller, il n'y a aucun problème, voilà. Sinon, rien d'autre, hein, voilà. donc après le chat, je ne sais pas ce que je ferai, je verrai. Puisque j'ai quand même pas mal de... Tiens, je vois un dice qui se promène à l'autre bout de mon atelier. Je vais le ramasser après, je ne sais pas ce qu'il fout là-bas. C'est un rond, donc il a dû rouler jusque là-bas. Bon. oui, après, bon, de toute façon, après, je vais me remettre sur le grand, hein, parce que je voudrais bien que le terminer. J'en suis quoi, à la moitié? Oui, j'en suis à la moitié sur le grand. Donc, je voudrais bien le terminer aussi. Bon, le grand, ce qui se passe, c'est que j'ai un peu de difficulté. Est-ce que toutes les perles ne sont pas bien taillées? Et du coup, ça fait un peu des... Ça me fait un peu des vagues. Et du coup, bon, ça m'embête un peu. Mais bon, ça se voit surtout quand j'ai le nez dessus. Mais bon, quand je regarde de loin, ça va. Heureusement, ça se voit plus. Ça se voit beaucoup moins, je vais dire. Donc, mais c'est pour ça que ça me motive un peu moins de le finir. Mais il faut que je le termine. Hein, voilà. Parce que bon, il est quand même très, très beau. Très, très beau. C'est le grand, je vous rappelle, hein, c'est la femme et le tigre. Mais bon, je vais le finir. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Ça me rappelle que j'en ai un qu'il faudrait que je me remette dessus. Mais alors, lui, il faudra que je vous le montre. Je sortirai de mon carton à dessin. J'essaierai de vous montrer ça cette semaine. Ça fait 2 ans qu'il attend que je le termine. Et du coup, qu'il est dans le carton à dessin, il est en train de s'abîmer. Et là, je crois que il va falloir que je le mette bien à plat pendant quelques jours avant de me remettre dessus. Pourtant, il ne reste pas grand-chose à faire, hein, dessus. C'est encore des loups dessus. Je ne sais plus si celles qui me suivent depuis un moment. C'est un diamond painting. C'est avec comme un cercle avec des plumes. Oui, je crois qu'il y a des plumes. Et il y a 2 ou 3 têtes de loups dedans. Alors, j'avais fait un blanc dans le même style. Tandis que là, c'est un foncé. C'est des loups noirs, marrons. Voilà. Et ça fait, ouais, ça fait 2 ans, si c'est pas plus, qui est dans le carton à dessin. Et c'est du temps où je mettais encore mes perles dans les gros pots. Donc d'ailleurs, les perles sont encore dans les très gros pots. Il va quand même falloir que je termine aussi celui-là. Mais là, je vais avoir un peu plus de difficultés. Je vous montrerai, j'essaierai de vous faire une vidéo dans la semaine pour vous le montrer. Mais il n'est vraiment pas dans un bel état. Donc, je ne sais pas, je vais voir. Et ça m'embêterait qu'il reste comme ça, qu'il ne soit pas achevé. Bon, je verrai. Sinon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. le soir, en ce moment, je suis en train de faire la broderie. Je vous mettrai dans la communauté ça plutôt, avant de vous refaire une vidéo sur la broderie, je vous mettrai où j'en suis arrivée. Donc c'est pas encore la broderie pour le sale, hein. C'est le sale, je vous rappelle, hein, c'est la broderie que je vais commencer au mois de septembre,
On est tout un groupe où on va broder en même temps la même broderie. Donc c'est pas celui-là encore, hein. Ça c'est une broderie que j'ai commencé un petit peu aussi avant. Là il y a quoi, une semaine. Je vous la montrerai dans la communauté, donc vous irez voir. Donc en dessous de la bannière, vous avez accueil, vidéo et vous avez communauté. N'hésitez pas de temps en temps à cliquer sur communauté parce que je mets des messages, je mets des photos de choses que je fais, ou je mets aussi des messages. Donc pensez à aller voir là aussi de temps en temps et à répondre à ces articles parce que là, ce sont plutôt des articles que je fais. Voilà. En même temps, je profite parce que je pense que j'en ai pas encore parlé. Parce que bon, il y avait un petit moment, certaines d'entre vous me disaient qu'elles n'avaient pas de Facebook et donc elles ne pouvaient pas me suivre sur Facebook. Bon, je comprends hein, qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore Facebook, enfin, ou qui ne veulent pas en avoir. J'ai ouvert un blog donc maintenant fin mai ou début juin, fin mai je crois, et je commence à y mettre donc des articles dedans de mes créations et aussi mes recettes de cuisine un peu de temps en temps. Donc je vais vous mettre, donc il y a déjà l'adresse en barre d'infos, hein, elle est tout en haut. Ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adresses hein, en barre d'infos me concernant. Mais elle est tout en haut, c'est marqué mon blog. Donc n'hésitez pas à aller visiter le blog, à vous y inscrire. Vous inscrire à la newsletter. Comme ça, vous recevez les nouveaux articles que je mets régulièrement. Il y en a plusieurs dans la semaine à chaque fois. Et ça, comme ça vous permet de pouvoir me suivre par le biais du blog au lieu de Facebook pour celles qui n'ont pas de Facebook. Mais ceux qui ont Facebook peuvent y aller aussi, hein. Ça n'empêche pas. Parce que bon, il y en a qui ont Facebook, mais qui ne vont peut-être pas sur mes pages, les pages à liker, qui ne vont que sur mon mur aussi. Voilà. Donc, j'espère que vous serez nombreux à venir sur ce blog aussi. Parce que là, bon, pour l'instant, j'ai que 4 abonnés. Donc, c'est pas beaucoup. Mais bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des abonnés sur un blog que sur Facebook ou sur YouTube. Hein. C'est pas la même chose. Donc, j'aimerais bien que vous veniez vous y inscrire pour voir aussi ce que je fais par là. Voilà. Allez, tout ceci dit, je vais vous laisser visionner la vidéo comme d'habitude en musique. Voilà, je sais que ça vous plaît. Là, bon, en ce moment, c'est vrai que les musiques sont toujours un peu pareilles. C'est les musiques que l'on a sur YouTube. Hein. Bon, je vais regarder pour en mettre quelques nouvelles pour changer un peu aussi. Voilà. Et je vous laisse visionner. Et là, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je sais pas sur quel thème encore. Je vais voir. Et j'ai plusieurs choses à vous faire voir, des tutos aussi à vous faire. Voilà, là, ça y est, il commence à faire un peu moins chaud. Donc là, vous voyez, je suis dans mon atelier pour vous faire l'intro de la vidéo. Donc là, on commence à respirer, donc ça va aller mieux. Je vais pouvoir venir un peu plus dans l'atelier. Là, pendant une semaine, 10 jours, c'était impossible. Je ne pouvais vraiment rien faire. Je suis venue faire 2 cartes, mais parce qu'on me les avait commandées. Mais c'était une horreur. D'ailleurs, je vous mettrai ces 2 cartes également dans la communauté tout à l'heure. Voilà, comme ça, vous pourrez les voir et vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse visionner la suite de la vidéo. Et plein de commentaires, plein de petits pouces bleus, comme d'habitude. Et maintenant, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.
Thank you.